prêt pour la Paris Games Week. J'ai priorisé les trucs que je dois faire là-bas en arrivant. Enfin, pas être un peu paumé. J'ai un plan dans mon sac, j'ai les billets, j'ai tout ça. Ça évitera les queues. J'arrive en train ici. Enfin, je pars de chez moi à 4h. Ouais, 4h. J'arrive pas à tenir la caméra tellement je suis fatiguée. Je pars de chez moi à 4h pour pouvoir arriver à la gare de Limoges, en Limousin, à 6h. Je prends le train à 6h04, speed speed. Et j'arrive à Limoges à 9h18. Je prendrai le métro. On a calculé ça pour une demi-heure. Et bien on y sera. Et je pas attendre. Et mes billets, sachant que la Paris Games Week ouvre à 9h, j'y serai dans le salon à 10h, normalement. Si tout se passe bien. Dans la liste des stands que j'aimerais avoir, premièrement, je vais retracer un peu l'histoire du jeu vidéo. On va aller en premier sur le stand Retro Gaming. Après, puisque c'est à côté dans le hall 1, les French Games. Ouais, voilà. Les French Games. Après, j'irai voir à Nintendo, Sony, en console. L'après-midi, j'ai vu qu'à partir de 15h30 et le dernier jour qu'il y a la ferme Jérôme, le rire jeune qui dédicace, il y aura peut-être certains youtubeurs, donc Cyprien, Norman. Cyprien, certes, je suis pas fan, mais c'est toujours bien de pouvoir discuter, voir son point de vue des choses, voilà. Et voilà, donc on se retrouve au départ. Ça, j'ai toujours un sérieux problème avec mes cheveux. Ils sont incoiffables. Quand je vous dis, je suis vraiment, vraiment prêt. J'ai pas grand chose à faire en arrivant à Paris à part acheter des billets de train, de métro. Là, j'ai mes billets de train. Allez, moi je bénédicte à Paris Austerlitz. Première classe! Et mon retour, deuxième classe. Ok, un peu galère avec. J'ai les billets achetés sur internet, donc ça ressemble à ça. Bah, il faut cliquer la 0 bien sûr, parce que si on voyait pas le nom de la marque, ce serait beaucoup plus simple. Ouais. Ok, on s'en fout. Donc j'ai le mien et celui de mon père pour aujourd'hui, vendredi. Voilà. Et le mien pour demain, donc samedi, où j'irai tout seul. Et bien sûr, le plan. Donc on va peut-être arriver par l'entrée. C'est préférable. Comme je vous ai dit, stand Retro Gaming, c'est... ici, on a des formations, des écoles et des formations, les jeux made in France, donc beaucoup de développeurs, hein. Epitech, la ICANN, la grande école, Supographie et tout, merde, je lis les écoles, enfin voilà, je suis, faut savoir, je suis vraiment, vraiment pressé d'arriver là-bas, et du coup, je vais faire plein de plans merdiques et complètement foireux. Et j'espère réussir à faire un bon montage digne d'un bon youtubeur pour enfin arriver à me lancer sur internet. Voilà. Ça y est, on embarque en voiture. Je vais apporter quelques petites précisions techniques concernant le voyage. Déjà, pour le son de mon appareil photo, j'ai pas pu avoir le micro que je voulais qui se branchait à un magnétophone qui lui-même pourrait être branché à l'appareil photo. Soit disant, c'est trop compliqué. Et voilà. Donc il est 4h. On est un peu en avance sur nos temps. Il est 4h moins 10. Je pense qu'on sera bien en avance. On aura le temps d'embarquer. On verrait bien ça. Donc avant, j'ai chuchoté parce que tout le monde dormait chez moi. Et maintenant, je parle normalement à l'appareil Games Week. Je parlerai fort. Donc ça va par niveau d'ordre croissant dans la journée. J'ai rien d'autre à dire. Non, mon sac, c'est un
J'ai pas pris un gros sac parce qu'en fait je poserai pas mon sac puisque j'y vais en train pour aller à la Paris Games Week. Donc j'ai juste un petit e-spack où il y a pas mal de trucs. Ouais, donc j'ai affiné les trucs le matin, les évolutions du jeu vidéo en rentrant par le hall 2.2, là où on ira au rétro gaming, aux jeux français et après dans l'ordre croissant des dates de création des entreprises Nintendo, Sony, Microsoft. Comme ça je montrerai à mon père un peu comment ça marche les jeux vidéo. Voilà. Et l'après-midi, petite séance dédicace, World Cup, enfin plein de trucs à traîner dans le salon et aller voir des éditeurs de jeux vidéo. On se retrouve à l'arrivée à la gare. Ciao, ciao. Il est 5h20, on est arrivé à la gare de Limoges en avance parce que le train part à 6h04. Voilà, là je pense que... Bon, on va attendre. Hein. Sorti là-bas. Ouais. Pas bien plus rapide, c'est ça ? Ouais. Ouais. Un truc de fou, le grand qu'il y a. Ouais.